C'est Mia. Et mais Mio, il est pas là. Mais je sais pas où il est. Attendez, je vais l'appeler. Il est pas là. Il est pas dans le fil des histoires. Vous l'avez vu? Non? Attendez, je regarde. Oui? J'entends rire quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est sur ma tête? Mio, mais je t'avais perdu, ça va pas la tête. C'est pas rigolo, hein? Bon, allez. On va chercher un livre? Allez, il est où le livre maintenant? Il est perdu aussi. Ah, attends. Tu l'as trouvé? Ah oui, attends, il y a quelque chose là. Oh, je crois qu'il y a un livre. Ah, ça tombe bien. C'est le au bureau des objets trouvés. On va regarder ça. Alors, au bureau des objets trouvés. Monsieur Chien travaille au bureau des objets de son village. Chaque matin, c'est lui qui ramasse les objets abandonnés dans le parc, au bord de la rivière et dans la forêt. Quand il arrive à son bureau, Monsieur Chien installe tous les objets qu'il a trouvés sur les étagères et il attend que les propriétaires viennent les chercher. D'ailleurs, voici sa première visite. Bonjour Calimace, dit Monsieur Chien. Qu'avez-vous perdu? Mais je ne suis pas une limace. J'ai perdu ma maison. Elle est ronde comme un tourbillon. Ah, mais alors vous êtes... Qui ça peut être? L'escargot! Ah, merci, Monsieur Chien! À bientôt! Au suivant! Bonjour, Monsieur Chien! Bonjour, le chat! Qu'avez-vous perdu? Mais je ne suis pas le chat! J'ai perdu... mon écharpe! Mon écharpe, elle est moelleuse comme celle de mon papa! Mais alors, qui ça peut être? Un chat avec une écharpe. Mais alors, vous êtes le lion! Oh, merci, Monsieur Chien! Au suivant. Bonjour, Monsieur Chien. Bonjour, Madame la Chèvre. Qu'avez-vous perdu? Mais je ne suis pas la chèvre. J'ai perdu mon manteau. Il est tout blanc en fourrure. Mais alors vous êtes... le mouton! Tenez, merci Monsieur Chien. Au suivant. Bonjour les trois petites souris. Qu'avez-vous perdu? Nous ne sommes pas nos souris, les souris. Nous avons perdu nos manteaux. Comment sont vos manteaux? Le mien est roux, le mien est noir et le mien est gris. Mais alors vous êtes... oh, l'écureuil, le hérisson et la chauve-souris. Mais oui, au revoir Monsieur Chien. Bonjour Monsieur l'ours blanc, qu'avez-vous perdu? Mais je ne suis pas l'ours blanc. J'ai perdu... mes bottes, mon cache-oreille, mes moufles et mes lunettes. Oh, mais alors, qui êtes-vous? Ils sont noirs, c'est ça? Oui.
mes oreilles, mes mains, mes yeux, mes pieds. Vous avez deviné? Mais alors vous êtes... Oh, le panda! Au suivant. Bonjour monsieur chien. Bonjour rouge-gorge, qu'avez-vous perdu? Je ne suis pas le rouge-gorge, j'ai perdu une longue queue et des grandes ailes. Mais alors vous êtes l'hirondelle. Bon voyage. Il commence à faire nuit. Le chien est en train de fermer boutique. C'est alors qu'il aperçoit un dernier petit insecte. Bonjour le scarabée, qu'avez-vous perdu? Je ne suis pas un scarabée. J'ai perdu ma petite lumière. Mais alors vous êtes... Oh, la luciole! Ça y est, je ferme boutique. Oh, madame la poule, qu'avez-vous perdu? Mais j'ai perdu mon œuf ce matin, vous l'avez pas vu? Je crois que je l'ai sous mon chapeau. Mon poussière! Merci, madame poule! Merci, monsieur chien! Quelle folle journée! Monsieur chien rentre à sa maison. Ses parents lui demandent « Alors, c'était bien ?» C'était super! Regardez! Mais qui c'est lui aussi? J'ai remplacé papy au bureau des objets trouvés et personne m'a reconnu! Papy, si tu es encore malade, je te remplacerai. J'ai bien aimé. Ça va, mon chéri, je suis guérie, je recommence demain. Eh bien, je t'accompagnerai alors! C'est chouette, hein? Allez, à la prochaine. Bonne journée.